Laurent. Donc, Laurent Joyer, vous travaillez à la Chambre régionale d'agriculture Auvergne-Rhône-Alpes et vous allez vous appuyer sur la fiche Accompagner la construction des systèmes alimentaires du milieu et nous parler de votre utilisation du guide d'accompagnement et du jeu sérieux issu du projet PSDR-SIAM. Donc, Laurent, je te passe la parole tout de suite. Merci Sabine. Donc, je vais vous parler effectivement des SIAM, système alimentaire du milieu. Les SIAM, le projet SIAM a été mis en œuvre, a débuté son histoire en Rhône-Alpes et l'a fini en Auvergne-Rhône-Alpes. Il est un projet PSDR et un projet soutenu par le FEADER, dans le cadre des groupes opérationnels PEI avec l'appui de l'Europe et de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Alors, je vais organiser mon propos autour de quatre bulles. Vous présenter dans la première les outils qui ont été produits. Ensuite, vous parler dans la seconde des usages. Comment on voit aujourd'hui que ces outils répondent à une demande. La troisième bulle sera dédiée à l'impact que tout ça a fait sur nos pratiques, sur nos méthodes de travail. Et enfin, quatrième et dernière bulle sur comment tout ça influence notre quotidien aujourd'hui. Donc, je vais vous laisser passer les diapos, Jao, c'est ça? Ouais, voilà, merci. Alors, on va parler des SIAM, mais la première chose que l'on va faire, c'est déjà essayer de mieux comprendre ensemble ce que ce sont ces SIAM et vous donner à voir en même temps la valorisation que nous avons pu faire grâce à cette vidéo qui va vous présenter ce qu'est un système alimentaire dit du milieu. Ma viande, d'où vient-elle? D'un circuit court ou d'un circuit long? Ni de l'un ni de l'autre. Cette viande est issue d'un SIAM, un système alimentaire du milieu. Mais c'est quoi être au milieu? D'abord, la prise de décision est organisée au sein du système. Ce n'est pas la loi du plus fort. C'est un équilibre entre les partenaires. Ils partagent des valeurs communes et se réunissent régulièrement pour trouver les façons de les mettre en action. Dans les SIAM, il est donné à chaque opérateur une capacité d'influence sur la prise de décision. La prise de décision doit être efficace, orientée vers la création de valeurs économiques. Mais ne doit pas aboutir à l'enrichissement de certains au détriment des autres. Ce mode de gouvernance doit amener à plus de performance dans le système et doit permettre la viabilité et la durabilité de tous les opérateurs du système, en particulier les producteurs en amont. Finalement, qu'est-ce qu'on gagne à développer les SIAM? On y gagne beaucoup. Par exemple, maintenir et développer une agriculture sur un territoire. Accéder à des marchés demandeurs de volumes importants. Reconnecter des acteurs qui ne travaillaient plus ensemble directement. Maîtriser l'ensemble du système pour favoriser son adaptation et sa pérennité. Évidemment, le SIAM doit profiter au développement territorial. Le système doit être le garant d'un développement respectant la triple performance économique, sociale, environnementale. Et dans le cas où une collectivité territoriale est directement impliquée dans le collectif, c'est souvent elle qui s'assure que ses performances sont atteintes et que chaque partenaire y trouve son compte. Pour atteindre ces finalités, les SIAM doivent être accompagnés. L'accompagnement peut se faire sur deux niveaux. Sur les éléments clés qui vont créer les performances du système SIAM, le quoi, et sur le processus, la manière de fonctionner du SIAM, le comment. Les SIAM sont donc vecteurs d'innovation. Portés par des opérateurs et acteurs de différentes natures, l'innovation majeure réside dans la manière dont tous ces acteurs fonctionnent et interagissent entre eux. Et que faire pour favoriser ces systèmes? C'est tout l'enjeu de l'accompagnement. Merci.
Donc vous savez un peu mieux ce que recouvre le terme SIAM, système alimentaire du milieu. Et donc je vais vous présenter cette première bulle. Donc les outils que nous avons produits, ce sont des outils qui soit servent à décrire. Nous avons cette vidéo, plusieurs vidéos, nous avons des fiches de cas, une cinquantaine de cas ont été étudiés pour formaliser ce concept de SIAM. Donc tout ça, tous ces descriptifs sont en ligne et sont accessibles dans la boîte à outils. Les outils produits servent aussi, et ça c'est quelque chose qui pour moi, agent de chambre d'agriculture, était important, ce sont des outils qui servent à faire. Alors, nous avons pour ça, pour faire SIAM, un livret ressources qui se structure autour de sept chapitres. Un chapitre qui parle du comment on pense le système d'acteurs, un autre autour de justement ces sujets de partenariat et de gouvernance. Un chapitre qui vise à accompagner les agents sur la question de comment créer de la valeur dans ces systèmes. Qui dit créer de la valeur, une quatrième fiche nous parle et fait un focus sur le prix et le partage de la valeur qui ainsi a été créée. Le cinquième chapitre met en évidence une notion qu'on a portée dans SIAM, qui est la notion de cahier des charges complet. Et quelque part, si je résume ça, c'est à la fois parler du bien et parler du lien, c'est-à-dire du quoi et du comment. L'avant-dernier chapitre nous propose d'évaluer des clés pour évaluer les performances. Et enfin, le dernier chapitre montre en quoi tout ça permet de construire de la résilience. Et cette boîte à outils, juste pour vous dire, et c'est pas du vent ce que je vous raconte, ce matin, j'avais la Chambre d'agriculture du Jura qui m'a appelé me disant, nous avons vu ces outils SIAM, nous sommes intéressés pour les mettre en œuvre chez nous dans le Jura. Et voilà, nous sommes en train de d'essaimer tout ça. Donc ça, c'était la première bulle. La deuxième bulle, c'est justement les usages. Eh bien, vous dire que, par exemple, pour penser le système d'acteurs, nous avons créé ce qu'on appelle un jeu sérieux. On l'a appelé le jeu SIAM. Et ce jeu sérieux qui a été testé à deux reprises dans le programme, qui est une adaptation du jeu de territoire, nous permet aujourd'hui d'accompagner des collectivités, des collectifs qui souhaitent s'interroger sur leur filière, sur leur système alimentaire. Aujourd'hui, la mallette de jeu a été téléchargée plus d'une vingtaine de fois. Et la vidéo que je vous ai montrée a été vue plus de 1300 fois. Voilà. Donc aujourd'hui, dans les usages, nous utilisons les différents supports, mais nous travaillons aussi, nous sommes en train de travailler sur une réflexion, enfin, dans l'idée de développer une formation pour mieux prendre en main tous ces outils. Parce qu'on s'aperçoit que les mettre à disposition comme ça sur le net, ça permet de les porter à connaissance, mais de là à vraiment se les approprier, c'est une autre question. Et nous travaillons notamment sur ce schéma-là que je vous exemple, qui est une production SIAM, ce qu'on appelle la cartographie des flux, qui nous sert justement à identifier où on crée dans ces flux de la valeur. Eh bien, cette cartographie, il faut qu'on s'interroge sur comment la donner à voir, l'appréhender par des agents de développement grâce à des formations. La troisième et dernière bulle, avant-dernière, pardon, que nous travaillons, c'est aujourd'hui de ce partenariat SIAM, des pratiques qu'on a pu avoir dans le cadre de ce groupe opérationnel PEI sur la région, on ne ressort pas comme on est rentré. On ne ressort pas d'un projet PSDR comme avant. C'est évident. On ressort différemment parce qu'on a fait des pas de côté, parce qu'on a confronté son cadre de référence aux autres et on crée de la valeur ainsi. Et donc, par exemple, nous avons développé à la suite de SIAM tout un travail partenarial avec la coopération agricole, avec CAP Rural, avec l'ISARA et avec le réseau des chambres d'agriculture autour du sujet de relocalisation de l'alimentation et de la notion de complémentarité. Donc, ça se rapproche des SIAM, mais c'est un peu différemment. Et en tout cas, nous n'aurions pas fait ça si nous n'avions pas fait des SIAM. Voilà.
Et vous dire qu'il y a une dizaine de jours, justement pour traiter ce sujet-là, nous sommes en train de travailler à adapter le jeu sérieux SIAM à ce sujet de la complémentarité des différents systèmes de production sur les territoires. Alors leur influence, c'est ma dernière bulle. Eh bien, par exemple, aujourd'hui, je peux vous témoigner qu'on ne construit plus et on ne pense plus un cahier des charges autour d'un produit comme avant. Nous étions auparavant très centrés sur un descriptif très fort du produit avec ses caractéristiques intrinsèques, des choses comme ça. Aujourd'hui, on travaille beaucoup plus en pensant à valoriser aussi le lien qui a permis de créer ce produit et, par exemple, vous donner à voir que c'est quelque chose que nous valorisons avec le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes dans le cadre de la marque qu'il souhaite développer, qui s'appelle la région du goût. Voilà. Vous dire aussi que nous travaillons avec la région sur la programmation du prochain FEADER et tout le travail de SIAM nous aide beaucoup à valoriser la question du partenariat et de la création de filières avec une juste rémunération dans notre région. Et enfin, et Sabine, je te laisserai la parole, on ressort de SIAM avec une autre vision de l'écosystème d'accompagnement. Nous, acteurs, nous avons vraiment changé de fusil d'épaule là-dessus, où sur les SIAM, on a fortement œuvré pour dire que les opérateurs d'un système alimentaire devaient créer écosystème, devaient se mobiliser, s'écouter, voilà. On s'est aperçu que ce qu'on disait pour les autres valait pour nous. Nous, accompagnants, nous devons travailler et nous devons beaucoup plus travailler en écosystème. Et ça, aujourd'hui, porte ses fruits. Cette coopération porte ses fruits car hier, nous avons déposé avec le groupe opérationnel de SIAM élargi à d'autres un nouveau projet de recherche déposé au CASDAR Innovation et Partenariat. Voilà, Sabine. Merci beaucoup Laurent pour ce témoignage.